Jésus. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis encore à quelqu'un que Dieu te bénisse. Nous te bénissons. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous sommes en train de finir un truc. Gloire à Dieu, le lundi et le 28, c'est la fin de ce programme de 25 jours. On revient comme ça de Lomé depuis le mercredi, avec beaucoup de fatigue parce que tout va bien. Je vous rappelle d'entrer à Divo. Soyez bénis. Amen. Voilà, je pense que tout va bien. Amen. Nous allons beaucoup prier par la grâce de Dieu. Amen. La foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Celle qui produit à nous la foi, on aura l'occasion de comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent. Et que nous soyons chrétiens, il y a des choses bizarres qui nous arrivent. Et tel enfant là-bas, ça ne va pas bien. On prend beaucoup de choses. Amen. Amen. Ouais, dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Si vous ne faites rien pour votre délivrance, vous ne verrez jamais Dieu agir. Amen. Ah non. Dieu n'a pas besoin de nous. Peut-être que je vous choquer ce matin, ce soir. Hein? C'est nous qui avons besoin de lui. Amen. Amen. Dieu n'a même pas besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'il crée le jardin, qu'on appelle le jardin d'Éden. Il crée toute la verdure que vous connaissez, les animaux. Après ça, il instaure l'homme. L'homme avait besoin d'avoir une femme. Il crée l'homme, il crée la femme. En prenant la corde de l'homme, il installe la femme. L'homme était comblé. N'est-ce pas? Et puis à un moment donné, l'homme a jugé bon de ne plus écouter Dieu. Quand vous écoutez un peu la conversation de Dieu avec l'homme, on a compris que l'homme voulait son autonomie. L'homme voulait être autonome dans le jardin. Il ne voulait pas dépendre de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le diable vient dans la sédition. Satan, le diable a dit... Qui sait ce que le diable a dit dans le jardin? On n'a jamais lu. C'est le premier livre de la Bible. C'est la première histoire de l'homme et le diable. Qu'est-ce que le diable a dit à la femme? On lève simplement le doigt et puis je vous interroge. Je veux voir si vous maîtrisez la Bible. Il y a des gens, ils lisent même pas la Bible, ils s'en foutent. Ils prennent genre personne 35 qui ont oreillé ça. Il y a des gens, c'est qu'ils sont attaqués, les sorcelleries. Et ils savent que la Bible existe. Poussière en air. Ils sont pratiques. La Bible, c'est pas fétiche. Je sais ta parole dans mon cœur. En fait, mes points péchés ton foi. Amen. Vous avez lu la Bible. Moi, je lis la Bible plus de 20 fois. Plus de 20 fois. Toute la Bible. La Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ça, c'est vraiment très important de faire des études bibliques, de comprendre beaucoup de choses. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus Dieu nous éclaire beaucoup de choses. Amen. C'est pour notre propre culture. Nous ne vivons plus pour nous vivons pour le Seigneur. Amen. Et chez nous, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ailleurs. Ce n'est pas Ngalé Gribo, ce n'est pas Gagnoua. Chez moi, c'est la parole de Dieu. Ma tradition, c'est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible dit que j'ai fait. Je ne suis pas dans l'histoire de tradition. Amen. Amen. Celui qui est en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tout ce qui est passé, la tradition, notre manière de faire passer, voilà que toutes choses sont devenues. Voilà, donc c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Et c'est à Dieu qu'on doit l'obéissance. Ce n'est pas aux humains. Nous devons honorer les parents. L'obéissance, c'est à Dieu. Il y a une différence hein, entre l'honneur et l'obéissance. Vous savez ça au moins? Qui peut m'expliquer, qui comprend? L'honneur, honorer, et puis obéir. Qui comprend ça? On ne sait pas à l'école. Hein? Allez, vous dites amen sur moi. Je parle amen sur moi. Amen. Non, ne soyez pas comme ça. Qui a compris? L'obéissance et l'honneur. Honorer les parents. Hein? Hein?
et puis obéir, c'est deux choses. Ça veut dire quoi? L'honneur, l'obéissance. Ouais, je veux voir si je veux comme ça, mon nouveau. Ouais. On dit, monsieur, on a l'honneur, c'est-à-dire le respect. Tu dois tous les honneurs possibles. Tu es assis. Et quand tu commences à parler, on dit, non, ce que vous dites là, on n'a pas oublié d'obéir à ça. Vous allez marcher sur le tapis roulant parce que vous méritez ça en tant que votre titre que vous avez. Mais les propos que vous venez de faire sortir, ça n'a rien à voir avec notre constitution. Ça n'a rien à voir avec la loi d'ici. Donc, on te respecte, il faut bien t'asseoir dans ton fauteuil. Mais ce que tu dis là, on n'est pas obligé d'obéir à ça. Est-ce que tu m'as bien saisi? Est-ce que tu m'as bien saisi? On te respecte, tu es le grand du pays. Mais ce que tu viens de dire là, ça à ce moment-là, nous on ne respecte pas. Parce que c'est en contradictoire avec la loi du pays. N'est-ce pas? Voilà. Donc on te respecte. Mais quand tu finis, on te salue, on dit, mais ce que tu viens de dire là, on n'est pas prêt à obéir à ça. Or, l'obéissance appartient à Dieu. C'est-à-dire, Dieu nous dit quelque chose, nous devons obéir, parce que c'est lui qui a le dernier mot. C'est pour ça qu'avec Dieu, c'est comme l'armée. On l'obéit bêtement. Tu m'as bien saisi. C'est pour ça que la Bible dit que, enfants, honorez vos parents, n'est-ce pas? Selon le Seigneur. La Bible ajoute encore, selon le Seigneur, moi je te respecte en tant que mon père. Je te respecte en tant qu'une mère qui m'a engendré. Mais quand tu dis d'autres choses qui sont différentes de la parole de Dieu, stop, je suis obligé de te désobéir. Mais ça ne m'empêche pas de t'honorer en tant qu'une mère, de te servir, de te donner à manger. Mais si tu me dis, va adorer Komia, là, on ne pourra pas s'entendre. Comprenez? Parce que je ne peux pas obéir à ça. Mais ça ne m'empêche pas. Le respect que j'ai pour toi, ça m'a bien saisi. C'est pour ça que l'honneur, c'est le respect et l'obéissance, c'est obligatoirement on doit le faire. On se soumet, la soumission totale. Et c'est à Dieu qui appartient l'obéissance. C'est pour ça que chez nous, en tant que chrétiens, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Ah non, chez nous au village, quand quelqu'un commence à avoir ce langage, il n'est plus chrétien. Non, non. Parce que le christianisme, c'est une vie. C'est une vie. C'est au-delà d'une religion. Amen. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que Christ vit, Christ en moi, l'expérience de la gloire. Parce qu'on a bien saisi. Le christianisme, c'est toute une vie. Donc, c'est à lui qui appartient l'obéissance. Or, la foi vient de ce que on a compris. C'est encore une erreur de la tradition de certains livres, parce que la parole de Dieu a été traduite dans beaucoup de langues. D'abord, c'est en anglais qu'on a traduit en français, parce qu'on ne peut pas directement, parce qu'il y a des lettres, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire directement du français, du grec, non, de l'araméen, parce qu'il y a l'araméen, l'hébreu, l'Ancien Testament, c'est en deux langues. Et le Nouveau Testament, c'est en grec. Voilà, donc c'est de l'anglais. Ok. Et puis, ils ont traduit en français. C'est pour ça que quand vous voyez les Bibles, au niveau de l'Alliance biblique, on parle de réviser, réviser. Nous, on révise seulement nos trucs. Lui, c'est qu'on révisait. Il y a quelle version encore? Darby, il y a Darby. La parole de lui, c'est la dernière version de lui, c'est lisez la parole de Dieu. C'est pour ça que, théologiquement parlant, pour préparer une prédication, il faut avoir plusieurs ou trois, quatre versions pour mieux comprendre. Et ça sera encore plus intéressant quand j'ai des versions juste pour ceux qui ont fait le grec, un peu l'araméen, ils comprennent bien. Or, la version française dit la foi vient de ce qu'on a. Hein? Ah non, ce qu'on a entendu. Ok? De ce qu'on a entendu la parole de Dieu. Ce qu'on entend ne peut pas produire la foi. Est-ce qu'on comprend bien? Est-ce que le nouveau, vous êtes au nouveau de ce que l'enseignement? Des choses qu'il faut comprendre. On peut entendre quelque chose, un son, on peut ne pas distinguer le son.
N'est-ce pas? Quelqu'un a parlé. C'est qui? On n'a pas compris. Okay. Amen. Amen. Donc tu peux ne pas obéir parce que tu te dis, est-ce que c'est le chef même qui est en train de m'appeler? Tu banalises. C'est quand tu comprends la... Ah, ok. Cette voix-là, c'est le chef qui vient de m'appeler. Or, on obéit lorsqu'on a compris. Amen. J'ai donné un exemple d'une fillette qui était en train de jouer, toucher. Elle voulait aller toucher, il y a à loco au feu. La petite coule, la maman dit, laisse. Elle dit la fille. Elle a laissé la petite, elle a touché. C'est qu'on appelle ce coin-là. La maman dit, bouge. Elle a compris. Amen. Amen. Le message est passé. Est passé. C'est ce que c'est encore de ça, maman dit qu'on ne peut pas partir. Hein? Depuis, tu fais. Maman dit, bon, elle n'a pas compris. Mais elle a compris pour un témoignage. Va. Qu'elle a touché. La maman dit, ok. Elle dit, bon, ok. Va. Elle dit, elle a compris. Vous comprenez? C'est comme ça. La foi vient de ce qu'on a compris. Quand tu comprends quelque chose, frère, j'ai une grande foi en ça. Beaucoup, ceux qui sont avec Jésus, qui n'ont même pas encore, ils ne savent pas qui est Jésus. Il y a des gens qui, n'est-ce pas, qui disent sont hommes de Dieu, ou bien un ministère, mais qui ne sont pas encore convaincus de leur appel. C'est-à-dire, ils n'ont pas la conviction de leur appel. Et c'est difficile. Ah, vous n'avez pas peur des sorciers. J'ai compris que c'est lui qui est Dieu. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Sorcier. Sorcier, c'est un plaisanté. J'ai compris qu'il est au-dessus de la sorcellerie. J'ai compris. Bon, j'ai fou avec un plaisanté. Or, la Bible dit, Dieu nous donne le pouvoir, son nom, de marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra nous nuire. Donc j'ai compris qu'avec Jésus-Christ, on ne peut pas me nuire. Pourquoi avoir peur de celui qui m'effraie? Il a peur d'être effrayé, mais il ne peut pas. Ce n'est pas celui qui t'effraie qui a le pouvoir sur toi. Le diable, il fait semblant de nous effrayer. Et nous tombons dans les pièges du diable. Parce que parfois on a peur. Or, on attend souvent des choses pour dire, on a vu un rêve. Où tu as fait la vieille au village, elle était en train de dépecer. Et puis elle allait au marché acheter gombo frais, aubergine, pour te préparer, pour te manger. Or, dans le rêve, peut-être que tu as vu, les petits trucs bizarres. Hein? Ok. La seule chose que tu dois retenir, c'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Parce que c'est ce que la Bible déclare, c'est ce que ça accomplira sur ta vie. Amen. Le diable, c'est un plaisantin. Alléluia. Amen. Faut avoir un rêve 6 mois. Le jour où tu as me dit, non, sorcier est venu, il dit, c'est pas moi, ça ne me concerne pas le rêve. C'est pas moi le rêve. Non, non, je ne suis pas concerné par le rêve. Moi, je suis concerné dans les rêves où je prends l'avion, je voyage, je vais aller prêcher le monde. Moi je dois prêcher la parole de Dieu. Amen. Parce que je crois à ma destinée. Je sais où je suis en train de partir. Alléluia. Amen. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas compris que vous êtes enfant de Dieu. Vous n'avez pas compris votre position vis-à-vis de Dieu. Le diable va toujours vous effrayer. C'est ça que le diable vous attaque par rapport à votre immaturité spirituelle. Or, si vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous serez toujours immature. Les petites révélations bizarres des pasteurs, ils vont vous effrayer. Parce qu'un pasteur, une révélation qui dort, ça doit t'édifier. On ne dit pas, non, si tu viens en Afrique, les sorciers, ne partez pas en Afrique. Ça cause à les autres pasteurs de l'Europe, même pas. Parce que moi, je dis, venez en Afrique. Je dis, mais c'est une erreur de ne même pas venir. Eux-mêmes sont contents que vous ne venez pas. Ils ont un avion pour ça.
Avion où tu viens pas, puis ils vont derrière toi. Ils ont ça. Donc ils ont changé de méthode. Quand tu viens plus, ils sont contents. Ben, tu vas pas les accuser. Moi, on dit, mais depuis quand de ma vie? Ça dit, vas-y, mais depuis là. Pourquoi tu moins tu accuses? Tu m'as vu? Ils aiment bien ça. Amen. Amen. Quelle que soit la révélation que tu auras, quelle que soit, on dit qu'il envoya sa parole pour les guérir. Dieu donne une révélation pour te délivrer, pour construire ta foi. Amen. Il va te montrer la chose, mais ça n'arrivera pas si tu pries. Amen. Amen. Sur cette forme qu'on donne les révélations, le diable veut te tuer. Il n'est pas encore fini. Tu es déjà dit, c'est fini. La personne, tu vois déjà dans manie, son graine, tu as jumelé là-dessus, le petit placardier à côté. C'est pour ça que par moment, j'arrête trop de. Ouais, parce que je veux qu'on retienne quelque chose de Jésus. Il est tout puissant. Amen. Voilà. Vous voulez retenir quelque chose de Jésus-Christ? Jésus-Christ est tout puissant. Quelle que soit la révélation, quelle que soit ce que la dimension d'une révélation concernant ta vie, s'il n'y a pas une solution dans cette révélation, elle est du diable. Amen. Amen. Si on dit le sorcier va te manger, ah c'est fini, hein? Ils t'ont déjà tué. Hein? Et puis il ne dit pas, mais Jésus m'a dit qu'il va te délivrer. S'il n'adonne pas cette parole derrière, confie le pasteur, c'est un agent du diable. Parce qu'en quoi tu es défiant? Si il te dit les sorciers vont te manger, puis c'est fini. Il te pousse à avoir peur du diable. Comprenez? Il t'amène à avoir peur du diable. Et Jésus-Christ n'a pas de solution. Donc du coup, tu deviens esclave de ce pasteur. Et il t'est scotché à ses lèvres. Jésus a dit quoi? Il m'a encore rien dit, hein? Et Ézéchias, quand il a reçu la parole d'Ésaïe, il attendait, il était malade, il a passé un moment dans la présence de Dieu. Le prophète, grand prophète, qui a prophétisé sur la naissance de Jésus, le grand Ésaïe, vient et dit, monsieur, écoute, tu as fini de prier, Dieu dit, tu vas mourir. Et il m'a dit, Ésaïe va tuer les gens. Il ne prie pas pour les gens. Ésaïe, si vous comptez si Ésaïe est mort, hein? Ézéchias l'a réagi pour dire, je sais que tu es Ésaïe, mais cette parole ne me concerne pas. Je suis désolé. Amen. On dit, tourne les regards vers le mur. Et puis elle dit à Dieu, mur de lamentation. Recours au mur de lamentation qui veut la présence de Dieu. Il parle à Dieu. Frère, il y a ce qu'un homme de Dieu peut te dire. Et c'est ce que toi, tu dois vivre ta foi. Amen. Vivez votre foi, s'il vous plaît. Amen. Vivez votre foi. Or, la foi vient de ce qu'on a compris. Amen. Si tu as compris que c'est lui le Sauveur, quelle que soit la révélation qui viendra affecter ta foi, n'écoute pas. Base-toi sur si ce que la Bible dit. Amen. Il tourne les regards vers le mur. Il dit, je suis Ézéchias. Dieu, tu le sais. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a dit. Ésaïe vient, il dit, va lui dire, j'ajoute 15 années sur ça. Amen. Le même qui avait prophétisé, vient, doucement, il dit, monsieur, Ézéchias, bon, Dieu dit, de prêcher ta vie. S'il n'avait rien fait, il allait mourir à la révélation. Quand vous donnez des révélations, que faites votre foi et ça vous détruit. Un homme de Dieu qui vous donne une révélation, il n'y a pas de solution derrière. C'est pas mauvais de vous dire, j'ai vu une révélation, les sorciers du village vont te manger, voici. Mais il faut que ça soit suivi d'une solution. Parce que Christ est la solution. Si Ézéchias ne vit pas sa foi, il était sous la terre. Il a dit, bon ok, moi j'ai ma foi. Il y a ce que toi tu as dit, mais j'ai ma foi en moi. Il a commencé à parler à Dieu. Et Dieu a ramené la même bouche qui disait qu'il allait mourir. Même bouche dit, désormais j'ajoute 15 années sur votre vie, sur ta vie. C'est cela qu'il faut aimer la parole de Dieu. Je disais comme ça, chez nous c'est la Bible.
c'est la parole de Dieu. Si vous ne la lisez pas, il va y avoir problème. C'est pour cela qu'il faut qu'on vous prépare votre foi. C'est pas une maison où on doit rentrer, puis on sort comme on veut. Puis on a la solution qui est couchée là. Vous venez, vous prenez ça comme des gâteaux partis. Et par moment, votre foi est importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. Elle est importante dans tout ce que nous sommes en train de faire. C'est pour ça que la foi vient de ce qu'on a compris. Si on comprend que c'est Christ qui est le sauveur de l'humanité, mais nous avons la victoire. Quelle menace je n'ai pas reçue ici à Divo? Les plus grands sorciers, ils effrayent. J'ai compris qui est Christ. Donc vos effrayements, ça ne dit rien. Il est en moi, il est autour de moi, il vit en moi. Donc tu vas faire quelque chose, il faut d'abord le manger. Le manger. Toi, tu peux manger Jésus. Quel que soit tes dents, tu peux manger Jésus. Va les manger. Va les manger. Va préparer son ticket. Allez, va les manger. Va, Dieu me les va. Tu peux. C'est tout. Il vit à moi. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. Je peux tout. Ma raison de vie, c'est lui. Ta raison de vie, c'est Christ. Amen. Amen. Quelle que soit la dimension hein, du cafard dans ta chambre, il faut dire Jésus vit avec toi. Amen. Oh, mais que faire? C'est mon oncle. Elle est sadique. Elle est mon oncle. On ne peut plus dormir la nuit. Je vous dis. C'est mon oncle. Le beau mari, il ne pourra pas dormir. Et si le cafard a disparu, c'est fini. La seconde main, il est mort, elle va dormir. C'est Jeanne qui a commencé pour elle. Démanchez. Vous êtes aimé. C'est là que Jeanne va commencer dans la maison. Que Dieu nous aide. Hein? Amen. J'ai vu mon nom, cafard. Faut venir manger. Viens manger. Va faire sauce, bimbe. Viens manger. Comme ça, tu vas venir me manger. Tu sais pas ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix? Il a donné sa vie. Écoute, la Bible dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui nous a choisi. Est-ce qu'on comprend un peu le salut? L'important du choix de Dieu sur ta vie. Ils sont fous de ce que tu es, de la famille dont tu es sorti. C'est lui qui t'a choisi. Nul ne peut venir à moi sans que le Père me l'a dit. C'est pour ça que le salut, frère, n'amène pas les gens. S'ils ne sont pas chrétiens, ne les amenez pas. Priez pour eux. C'est vous qui avez reçu la révélation de Jésus-Christ. Priez pour eux. Être chrétien, c'est une révélation de Dieu. En ta personne. Toi, tu es païen. Depuis on te parle, tu ne comprends pas. Tu veux le taf. Ta nuque là. Ta nuque là. Depuis là, on te parle. Hein? Tu es mon mari, c'est fini. Attends. C'est toi qui peux convertir quelqu'un. Tu peux amener quelqu'un à connaître Dieu. Priez pour eux. Nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Alors si tu es devenu chrétien, tu as cru à la puissance de Dieu. Frère, tu es dans le livre d'or de Dieu. Tu es dans son livre d'or. C'est là lui qui est possédé. Il se lave pas les sourcils. Il va venir te manger. Il dit même, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous allez comprendre dans la parole de Dieu. Il dit, même si tu traverses les eaux, dans Isaïe, je serai avec toi. Même le feu ne pourra pas te consumer. Le feu ne pourra rien contre toi. Ne pensez pas que Dieu, en dehors de ce que vous vivez, même la persécution, ce que vous vivez, hein, cette atrocité, ce que vous vivez, l'adversité, ne pensez pas que Dieu, en dehors de ça, c'est comme Jésus-Christ est dans la barque. Il est plein de tempêtes, il dort. Amen. Amen. Mais il est là, il vous suit, il est avec vous. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut s'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous êtes les vainqueurs. Jésus-Christ a vaincu la maladie à la croix. Amen. Jésus-Christ a vaincu la sorcellerie à la croix. Jésus-Christ a vaincu le diable. Si on entend édifier les gens,
prêcher Jésus. Comme ça. Il voulait se jeter sur moi. Puis lui-même il est tombé. J'attends la chaise. Qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé la prédication. Qui t'a envoyé? Tu es tué. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il y a quand même une petite raison, mais moi, il t'a fait quoi? Je suis chez moi, tranquille. Je parle de Jésus. Je prêche Jésus. Oh, mais oui, tu es tué. Hein? Quand tu es tué, tu fais quoi? L'invité chez les Dida. Comment on a gagné ici? 1000 billes à 0. Après, il m'a dit, retourne à gagner Jésus. On a fini avec les Dida, Iré, on a gagné là-bas 1000 buts. Tous les babas, on a les dragons, on a limé ça. C'est maintenant que nous voyons, nous on était les poussins. Quand tu vois en sort, là, nos os sont moins noirs. Dieu merci. Cette période-là, on a vécu les choses. Fais pas plaisir. On a vécu les choses. Dans la jungle, né un sorcier. T'attends, le petit bruit bizarre, souvent même fourmi, mania, prends ta chambre. Là, vous ne dites pas que le prophète est faux prophète. Oui, on a une histoire. C'est quand on commence à prospérer, on voyage, c'est là où vous pensez que les gens. On a une histoire, on n'a pas démarré comme ça. Ici, là, ça, on a commencé les bancs, les petits bancs aujourd'hui, c'est là. Ce sont des gens qui ont payé, hein. C'est des dons des gens. Mais on a commencé avec des difficultés. C'est à 2h du matin, j'ai deux tentants, il m'a fait tout. On a souffert. Chaque sorcier veut nous manger. Chacun veut prendre le prophète et dans une sauce tomate, bébé, le manger. On les a tous gagnés. Comme on a vaincu les gens de Iré, Divo, Gikri, ils sont venus pour attaquer. Je lui dis, mais attends, moi comme ça, il me demande pardon. Ah, tu as perdu, non? Hein? Tu as perdu. C'est lui qui t'a cherché, là. Tu as trouvé ça. Tu as venu chez moi, on a fait sa violation à domicile. Mais récupérer, me mettre dans une sorte de manette, me manger. Allez voir, monsieur. Il est parti, il est allé à Mauritanie. Amen. Il y a un gars encore qui est venu de Lakota. Il est chaud. Non, ils l'ont dit, c'est trop fort. Une onction. Et c'est pas faux, c'est puissant. Il y a une onction dedans. Il a eu l'abus, il est parti à Zaroko, là-bas. Dès qu'il a commencé à faire les incantations de nœuds fous, il l'a envoyé à l'hôpital, ils m'ont piqué en une nuit, là. Je ne sais pas, après des piqûres. Il est venu ici, il a confessé. Non, il voulait tout gâter ici. Tu veux gâter? Non, pardon. Mais elle, c'est moi qui te combat. C'est pas moi qui fais le combat. C'est avec Dieu. Il est bâti devant. Il y a une jeune femme aussi. Elle, sa spécialité, c'est mains écrites dans l'anus. Anus, mais c'est pas joli à voir. Sorcier. Il dit, mais elle est pasteur, elle dit, il est là-bas. Elle est diacre, elle dit, il est là-bas, à côté du pasteur. Elle dit, mais il n'y a pas de solution pour lui. Le bon pasteur, on l'a pris comme cannibal. Elle est responsable des femmes de l'église. Mais c'est cela que, franchement, nous, quand on dit, non, elle est. Nous, moi, j'ai délivré des pasteurs sorciers. Je ne suis pas celui-là qui dénie, qui expose les gens. Sinon, dans le secret, ce qu'il fait. Ce qu'il fait dans le secret. Non, moi, je ne suis pas là à mesure de juger les gens. Quelqu'un est possédé, je le délivre. Il y a trop de secrets. Mais c'est pour aider les gens. Pour mieux aider les gens que de les nuire. Elle a mis le pasteur. Elle est dans l'église et puis elle ne veut pas qu'on parle de sorcellerie. Elle dit, pasteur, dis pas tous les sorciers. Pourquoi tu parles des sorciers comme ça même? Le pasteur a arrêté de parler des sorciers. Moi, tu as me dit ça. Mais tu veux qu'il prêche quoi?
S'il n'est pas parlé de sorcellerie, de prêcher quoi, Jésus revient, qui sait pas ça? Même celui qui est dans la rue, là où il chante, il sait que Jésus revient. C'est qu'on ne maîtrise pas notre destinée qui est embrouillée par la sorcellerie. Il faut éclairer les gens. Donc elle a pris le pasteur, elle a récupéré l'ami Kanouba. Tout. L'ancien est parti là-bas aussi. Le diable, il nage. Je dis, madame, tu as fait quoi? Elle dit, j'ai pris l'église, j'ai mis dans mon cul. Excusez-moi, c'est l'expression qu'elle emploie. Comment tu peux voir une église du Seigneur où se trouve un pasteur, où se trouve un diacre, et l'école de dimanche, les enfants? Et tu mets dans lui. Elle dit, lui, comment tu as perdu à faire sorcellerie? Et la même dame, elle a tendu un piège devant ma cousine pour que je tombe dans le piège. J'étais à la maison. Et quand je venais à quelques mètres de là, je l'ai vu. Je l'ai interpellé. Elle a dit, oui, c'est vrai. C'est une libérée. On va piquer des mots. Comme elle a l'habitude de faire ça, elle pensait que c'était la même chose ici. C'est pour ça qu'un pasteur qui ne voit pas, un homme de Dieu qui n'a pas de don de vision, il faut le suivre. Aujourd'hui, on a besoin des gens qui voient dans le spirituel. Un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Fidèle ne voit pas, toi tu ne vois pas. Vous allez tout tomber dans le piège. Si moi je ne voyais pas, je donnais la boutique de la femme, elle s'engraine. Elle aime bien manger. Tout pendant la nuit, mais manger bien ça à l'église. Et bien ça. Jésus dit, un aveugle ne peut pas conduire des aveugles. Tu ne vois pas. Parce que tu ne vois pas. Vous êtes foutu. Vous êtes tous tombés dans les pièges. Son prix était déjoué. Encore une autre dame, une fille qui renversait les bus à Abidjan. Une grande sorcière qui détruisait les gens, qui a été épinglée. Tous les ébriers, la sorcellerie des ébriers d'Abidjan sont venus en renfort nous attaquer une nuit. J'ai prié toute une nuit, vers 5h, 6h moins, je me suis dépêché ici. Et puis on a vu la tête d'un chat. Les trucs comme ça. Quel piège les gens n'ont pas fait ici? On a perdu, oui. Les gens disent, bon, comme elle a été dévoilée, il faut détruire le centre. C'est comme ça, n'est-ce pas? Elle a été mise à nu. Et pour gloire à Dieu, elle a été totalement dévoilée. Mais comment un pasteur, un homme de Dieu? J'ai dit, non, c'est pas le don que j'ai reçu. Attends. À cause de la sorcellerie, nous avons tous besoin de voir. Dans le monde spirituel. Nous travaillons dans un monde purement spirituel. Pourquoi ne pas avoir cette nécessité? Le don spirituel, la vision de voir. Ah non, c'est toi qui vois. Si tu ne vois pas, frère, tu vas te retrouver comme Kanouba, comme le pasteur. Et tu vas avoir tous les problèmes. Amen. Amen. Mais c'est ma foi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ça va m'effrayer. Mais non. Je n'ai pas peur. Je peux tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Je peux tout par celui qui est porté. D'autres m'ont bien dit, toi, je vais te tuer. Ah, c'est fort, hein? C'est facile à dire, mais tu ne peux pas pratiquer ça. Tu ne peux pas. Quand tu vas essayer, c'est toi-même qui vas prendre ma place. Parce que je sais qui est Jésus-Christ pour moi. Qui il est pour toi? C'est ça. Les gens pensent qu'on le trouve seulement ici à Divo. Qui est en dehors de Thibaut, Jésus-Christ, c'est fini. Ah non? Ce qui est en nous est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Amen. J'ai affronté les sorciers les plus redoutables, puissants de la Côte d'Ivoire. Puissants de la Côte d'Ivoire. J'étais à Guéli en 2007, en plein séminaire. J'étais en train de donner un séminaire sur les œuvres de la sorcellerie. Oh, j'avais une sœur en Christ dans une église dont je ne dis pas le nom, dans la ville de Guéillot, et c'est elle qui détruisait le mariage. Elle est chrétienne, engagée dans la foi. Elle est chante, engagée dans une église. Elle est même diaconesse, mais en même temps sorcière qu'elle était, qui détruisait les choses. Quand tu as un mariage, elle vient tisser un lien d'amitié avec toi, et puis elle gâte. Vous dormez ensemble, elle prie pour toi, et puis elle gâte. Moi, je n'ai pas trop. Moi, je,
camaraderie, là, j'y parle des gens. Le jour où il te voit, tu es gauche-gauche. Je ne sais pas. Je ne cherche pas amitié, trop d'amitié. On s'entend si un point. C'est pour ça que chez moi, ce n'est pas tout le monde qui en va là-bas. Je suis désolé. Non, 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 non. Si j'étais invité chez moi, ce n'est pas un truc bien précis. Et après, on ne sait pas. Comment on peut se voir dehors? À cause de la sorcellerie, je me dis très prudent. Très, très prudent. Le titre des pasteurs, ça veut dire à cela. Moi, j'ai trop de choses que je sais. Les gens qui m'ont fréquenté depuis 2009, 10, des pasteurs que j'ai connus. Bon, je n'ai pas envie de vous embrouiller. Que j'ai même aidé dans la foi. J'ai aidé, délivré. Ils sont là. Je ne les ai jamais, je ne les ai jamais dénoncés. Non. Quand quelqu'un veut se confier en toi, il faut l'aider. Amen. Amen. Voilà. Donc, je ne suis pas le genre à détruire les gens. Je suis le genre à aider les gens. Le chrétien ne doit pas être celui qui fait le procès des gens. Il doit aider les gens. Comme Jésus-Christ. Il faut aider les gens. Voilà. C'est pour ça que Dieu bénit mon ministère. Amen. Je suis toujours prêt à aider les gens, à les soutenir. Amen. Toujours prêt à aider les gens. Donc, là-dedans, je suis en plein séminaire. Premier jour. Deuxième jour, j'ai commencé à dévoiler les stratégies. Parce que notre ministère, c'est justement vous ouvrir les yeux. C'est les stratégies du diable. Voilà. Les gens peuvent dire des choses, mais ceux qui ont la grande connaissance, ils savent qu'ils sont de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas de Dieu ne peut pas dévoiler les œufs du diable. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai commencé à révéler comment les stratégies du diable, comment le diable se prenait une personne dans le but de nuire à sa destinée. Quand j'ai commencé, la dame, la jeune soeur, elle a voulu m'attaquer. Elle est sortie de son corps. J'ai attendu dans la salle. Le sang. Elle giglait comme ça. Ah! Oui, Paco, elle vient courir. Maman, je fuis. Elle vient vers moi, je fuis. Je ne connais pas l'origine du sang. Puis tu cours vers moi. Qu'est-ce qui se passe? Le sang. Le sang. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Mon œil. Pardon. Pardon. J'ai dit, mais c'est quoi? Elle s'appelle Sandrine. C'est quoi? Sabine, merci. Oh là là, merci. J'ai une mémoire. C'est Sabine. Ah, j'ai une mémoire. Lui, c'est un vieux. Longtemps. Au moins, il est baptisé, il est pasteur. C'est pas une année, on est ensemble. Depuis 2007. 2010. Ouais, ça a plus de 10 ans. Je l'ai converti, il est baptisé, tout ça. Il a une histoire, moi. Ouais, Sabine, c'est vrai. Donc, boum, elle est tombée. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mon œil. Il y avait un ange qui m'a piqué dans l'œil. Il voulait faire quoi? Elle-même voulait m'attraper. J'ai dit si moi m'attraper en plein séminaire et puis l'ange piqué ses yeux. J'ai dit Seigneur, c'est merveilleux. Maintenant, les aveux commencent. Pourquoi les salles entendent, c'est la salle en train de fuir, les gens fuient. Les gens fuient. Ouh, c'est un bon chrétien. Guéhu n'est pas grand. C'est une petite ville. Donc tout le monde se connaît. Oh, c'est le roi. Tu vois son master là, là-bas. Son master, femme de master, elle a fait toute l'église. Devant l'église, même à serpent, il y a dragon. Le dragon met là ton visage d'avant, t'embrasse d'avant. Donc ceux qui fréquentaient là-bas ont commencé à avoir peur. Ils sont venus faire des délivrances chez le prophète. Ah non, il ne sait pas, il nous a la peur. Il a la peur à toucher nous-mêmes. Elle est tombée. Quelques temps après, son œil a explosé. Heureusement qu'il a une mémoire, c'est son nom. On a vécu trop de choses. Trop de choses. Mais parce que je sais qui est Jésus-Christ pour moi. C'est qui le représente pour moi. Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Quand on a compris Jésus-Christ, la sorcellerie ne nous effraie plus. Amen. Alléluia. Amen. Et on croit sa destinée. Il peut y avoir des moments de difficulté. Il peut y avoir des moments de difficulté, mais Christ demeure Christ. Amen. Il demeure le Seigneur de notre vie. Amen. Il demeure le Seigneur des Seigneurs. Amen.
pas quelqu'un va venir affecter ta foi. C'est vrai qu'on peut avoir une révélation, comme je disais. Parce qu'il y a des gens, et c'est quand ils ont des problèmes qu'ils deviennent chrétiens. Oh, mon oncle est mort au village, je dois aller au village. C'est là, j'ai la nuit, le son 35 combat. Ce qui me combat, c'est lui, le village. Quand il finit, il finirait. Il dort. 6 heures. On le réveille même pas, il s'est lavé pour toi. Quand il apprend qu'on vit village, c'est Amen. Il a peur. Mais il va avoir toujours problème. Il y a des gens qui attendent les difficultés pour s'approcher du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand j'ai connu véritablement Jésus, après mes persécutions, mes difficultés, j'ai dit, sorcier, merci, oh, merci. Mais si tu n'existais pas, je n'ai pas connu Jésus. Ça fait des sorcelleries, on ne vient à l'église. Sinon, il y a des gens qui buvaient des balais. Les jeunes amers. Ils ont des noms bizarres dans les quartiers. Là. Et ils vont pas nous payer grosse bio, c'est cher. Les trucs de 25 francs, ça tourne les yeux en même temps. Et il veut dire son mauvais. J'en ai mer. Un peu de diamant au bout des dents. 4 heures du matin, ils ont tous les boissons. Le jour, sorcier d'étrangle la nuit, il va faire cauchemar deux fois. Ce jour-là, ah, oui, l'église, il y a une église dans les quartiers, c'est ce qui se passe chaque jour. C'est les vrais églises, ton voisin est un pasteur. Chez pasteur, oh, le voisin, c'est un pasteur. Il me dit, c'est qui dit la nuit, là, il prie la nuit. Belle infinie. Chez pasteur, torche. Ça, c'est merci. Connais-vous la chère Dieu, quand même. Si elle va dire, on allait boire le whisky, le Johnny, tout ça. Dieu, merci. Heureusement que ce n'est pas tout le monde qu'on mange. Ah, alléluia. Amen. C'est cela qu'il faut savoir qui Jésus-Christ représente pour toi. Sur la route d'Emmaüs, pendant que Jésus marchait avec les disciples, il ne savait pas que c'était lui Jésus. Il vivait lui, mais il ne savait pas qui. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu et demandez au Seigneur de se révéler à vous. Et ça, c'est vraiment très important. Qui se révèle à vous? Qui vous montre beaucoup de choses? Je suis l'homme le plus attaqué. Si je vous explique les attaques que j'ai vues, mais reste tranquille. J'ai dit le travail, il faut les laisser. Moi, rien ne m'effraie. Rien. J'ai fait l'accident plus terrible sur l'autoroute. C'est en quelle année? 2013. Non, c'est 13, 14, voilà. Hein? 14. Sur l'autoroute. Je revenais d'Abidjan. En pleine pluie. L'autoroute, c'est de deux voies dans différents sens. Hein. L'autre là vient comme ça vers Boussy et l'autre vient de l'autre côté vers Abidjan. Ma voiture a quitté la voie qui allait vers Ndoussi. Elle s'est retrouvée de l'autre côté, cette voie qui allait vers Abidjan. Et on a vu KS qui venait dans le sens qui allait à Abidjan. Moi, j'ai toujours dit les chauffeurs du lot. C'est eux qui connaissent, on dit là, nous, gars, là, ils changent nos chocolats, tout là, ils sont habitués au fait. Ouais. Et quand ils sont sur le roulant, ils ne parlent pas beaucoup. Alors, nous, on va vouloir causer un patron. Les petits du là, ils ne parlent pas, ils ne causent pas, ils sont bien respectés quand ils sont. Oh, si tu prends un petit, il va vouloir causer un patron. Patron, il est là, voici ça. Vous, le voici là dans la main. C'est pour ça qu'ils viennent prendre les petits joulards. Et parfois, quand ils sont en voiture, non, ils ne causent pas trop le patron, ils sont devant la direction. Ils sont habitués à ça. Ils tremblent. Je l'ai vu en train de trembler. Je lui ai dit, reste tranquille. Il ne nous arrivera rien. J'ai dit, tiens le volant en main. Il n'arrivera rien. Si il t'arrivait quelque chose pour m'accuser, il maudit mon Dieu. Parce qu'on voyait la mort. C'est là qu'il dit, mais les gens qui font accident, ils voient la mort en direct. Il voit ça venir. Quand on est arrivé près de KS, la voiture de l'autre côté, on a senti qu'ils ont pris notre voiture, ils ont ramené sur notre voie. Amen. Attendez
Alléluia, Amen. Chez moi, c'est fini. J'ai fini le danger. Ça a commencé à rouler. Comme Toby. Encore. Remords. Est venu. Ben, c'était programmé. Mais tel que je vois la chose, c'était programmé. J'allais pas m'assalir. Vous savez, le diable, il a le plan A. Il a le plan B. Au 15 jours, boum, l'autre là va m'avoir. J'ai regardé. J'ai souri. J'ai compris que c'était l'attaque. Oh, j'avais déjà déprogrammé ça à 4 heures du matin. Tout ça, l'aurore, tout ça que quand vous vous réveillez 3h30, ne jouez pas ça. J'ai commencé à dire, Seigneur, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Jésus-Christ, il est anti-accident. Il est anti-poison. Amen. Il est anti, tous les anti vous connaissez là. C'est lui. Amen. Quand on est arrivé, la même chose se reproduit. Vous, vous serez battu de l'autre côté. Les cars, les voitures sont carrées. Ils regardent, ils veulent avoir la fin du fil. Et là, mes parents qui l'ont là. Et là, oh maman, tu l'as là. Moi j'ai dit aux gars, nos parents, eh mais ouais, comment on allait finir? Ils sont carrés là. Regardez, tout le monde. C'est réparti. Dans l'autre sens. C'est jeté maintenant dans le ravin. Puis ça garé. Quand ça garé, j'ai boté la porte. Je suis sorti. De l'autre côté. Je suis allé ouvrir la porte du chauffeur. On est sorti. Qui est mort? C'est qui? C'est mon Dieu. Non, 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 il ne croyait pas. J'ai même filmé. J'ai monté ça. C'était une fois plus. Les gens ont vu. Toute âme forgée contre toi sera. Alléluia. Alléluia. Amen. Je n'ai pas paniqué. J'ai commencé à leur parler de Jésus. Amen. Ils sont dépassés. Ils me demandent, allez, allez, dis quel hôpital. Comment il dit, il pleure. Il dit, non, hémorragie, il était. Dis quel hémorragie était. Qui va voir hémorragie était. Quand Dieu, comment il achève. Amen. C'est quel hémorragie. Je t'ai dit, il pleure. On dit, non, faut t'asseoir. Je dis, hé. Hey. Ils ont tiré la voiture. Et puis on est parti, on a quitté l'autre. Le diable a été humilié. Tout a changé contre toi sur la sangle. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Jérémie le chapitre 1, le verset 19. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te délivrer. Amen. J'ai une alliance très forte avec Dieu. C'est comme chacun d'entre nous, bien-aimés. Dieu ne vous appelle pas pour jouer avec vous. Non. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, plutôt moi, pour vous établir. Dieu nous appelle dans nos différentes familles pour nous établir dans la royauté. Il dit, Seigneur, merci. Parce que je crois à ce que tu m'as dit. Et je ne suis même pas encore entré dans ma destinée. Je ne suis même pas encore arrivé à l'ONU. Je n'ai pas pris avion pour aller. Puis j'aimerais. Bien béni le nom du Seigneur. Amen. Dieu veille sur sa parole. Amen. Pour l'accomplir et l'exécuter. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça qu'il faut t'attacher à la parole de Dieu. N'écoutez pas ce que les gens vous disent. Il ne faut pas écouter celui qui influence ta foi. Pour mettre cette parole de Dieu-là, cette promesse de Dieu en doute. Non, Dieu veille toujours sur la parole pour l'accomplir et l'exécuter. Alléluia. Amen. Tu es un champion. Amen. 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 Quand vous réveillez le matin, prophétisez sur votre vie. Parce que Dieu est malin, il est bête. Vous venez te choisir comme ça, et puis t'abandonner. C'est pas tout le monde qui a le salut. Pourquoi il a porté son choix sur toi? Pour jouer avec moi? Ah non, non, non. C'est pour t'établir.
dans la royauté, dans la grandeur, pour t'établir. Quand Dieu appelle, il établit dans la puissance, dans la royauté. J'ai posé avec quelqu'un aujourd'hui qui me dit, mais attends, tout n'y a qu'à présent de toi. Je salue M. Dosso, 15 ans, Afrique Vision, que Dieu bénisse. C'est un musulman. C'est un que Dieu utilise pour élever mon ministère en New York. Pendant que les pasteurs me vilipendent, eux, c'est eux qui m'ont fait rentrer à l'ONU. Amen. Ils sont en train de créer, ils ont créé une situation pour que le monde entier reconnaisse mon ministère. Amen. Et que Dieu, les œuvres que Dieu fait au travers de ma vie. Frère, quand tu es appelé de Dieu, même une mouche, Dieu peut l'utiliser pour te bénir. Alléluia. Amen. Je suis même étonné. On ne se connaît pas, les musulmans. L'ambassadeur de l'Union africaine dit maintenant, tu es musulman. Le prophète les critique. Il dit, non, vous laissez après les musulmans. Laisse ça. Le prophète les fait, bon, puis il attrape ça aussi. Non, on a tous fait les sorciers. Si avec les musulmans chrétiens, tu es musulman, tu manges, tu es chrétien, tu manges, tu es bouddhiste, là, tu me pèses même, et puis fais rigra, tu et tu manges bien. Ah, il dit, bah attends, le prophète là, je vois ce qu'il fait. Quand il a fini, il dit, ah, je comprends pourquoi tu lèves comme ça. Ben moi-même, j'ai commencé à voir un peu ce qu'il fait. Il dit, je le reçois à 16h. Amen. Frère, amen. Ton élévation ne dépend pas de quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Ça dépend de Dieu. Ce qu'il a dit là, il accomplira ça dans ta vie. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Ce n'est pas toi qui as choisi d'être chrétien. Amen. C'est parce que le choix de Dieu est porté sur toi. Amen. Il faut avoir ça dans la tête. Et puis dis à Satan, tu es un menteur. Attends. Toi, tu as venu jouer ma destinée. Est-ce que vous savez qui vous êtes? Vous êtes les fils de Dieu, les enfants du royaume. Que personne, on dit que personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les esprits ne vont pas venir vous distraire par rapport à votre destinée. Vous l'avez reçu, Jésus-Christ. Il sera toujours Seigneur de votre vie. Amen. Si vous vous attachez à lui, il restera le maître de votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer, donc? Alléluia.